Éric Giot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur associé de Converse, un centre d'appel basé à Nice. Oui, tout à fait. C'est effectivement notre activité. Nous sommes un centre d'appel, un centre de contact externe, si vous préférez. Ça signifie que nous intervenons donc pour des clients qui nous confient l'externalisation d'un service client, par exemple, d'une hotline, mais aussi des portefeuilles de prospects, de clients, soit à conquérir, soit à fidéliser. Et oui, nous sommes basés à Larenas, et nous utilisons un plateau de 150 positions de travail. Vous avez choisi d'adhérer à la place business en tant qu'utilisateur premium. Pour quelles raisons? En quoi consiste ce format particulier? Et parlez-nous notamment des rencontres mensuelles comprises dans ce format. Ben notre choix, il a été assez simple. Quant à s'investir sur une plateforme ou un réseau, autant s'engager totalement, finalement, pour en tirer tous les bénéfices. Et c'est le cas de la place, le fait de pouvoir s'enregistrer, solliciter un réseau, élargir aussi son spectre de connaissances, communiquer, bien sûr. C'est un réseau actif, il y a une base de données, il y a des échanges, des partages sur les rencontres mensuelles. Là, c'est un rendez-vous, je trouve, d'échange très intéressant. Finalement, ça se passe comment? Chacun se présente sa société, il précise ses recherches et ce qu'il peut offrir. C'est globalement, assez pro et plutôt bienveillant. Donc pro et bienveillant, justement, vous avez participé à différentes conventions d'affaires organisées dans la place business. Quel est justement votre retour, votre ressenti? Vous avez fait des contacts intéressants? Oui, quelques leads, effectivement. À venir plutôt sympathique. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que Converse a mis la place business dans son modèle comme un levier de développement? Oui, globalement, l'expérience globale que l'on a, elle est bonne. Converse cherche naturellement, comme entreprise privée, à densifier le business. Et moi, particulièrement, ma recherche, c'est de le faire avec des acteurs locaux. Et la place business, pour moi, c'est l'endroit le plus adapté pour cela. Je pense que la place doit gagner un petit peu de la force et de la densité dans les interactions. Mais par contre, oui, j'en fais un outil de croissance, puisqu'à l'instant où on se parle, grâce à la place business, j'ai grosso modo deux affaires signées et trois possibles en devenir. Merci Eric Jo pour cette interview. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.